Bon, salut la team, on se retrouve aujourd'hui pour une Abarth, pas une Fiat. Bon, je vous présente la proprio, Camille. Donc alors, dis-nous tout Camille, quelle année? 2012. Ah, 2012 la voiture. Ok, combien de chevaux du coup? D'origine 135 et reprog 160. D'accord, donc il y a un stage hein, dessus. Ouais. D'accord. Comme ça. Tu l'as acheté comme ça, ouais. Ouais. C'est pas toi qui as décidé de dire je vais faire un stage sur la voiture. Moi, ça va bientôt passer sur le banc en Guérin. Ouais. Tu veux faire un. Enfin, tu veux pour voir réellement. Tu veux voir directement si elle fait le nombre de chevaux qu'elle dit. Ouais. D'accord. Ok. Ouais, c'est vrai que t'as pas de suivi avec. T'as pas de courbe avant, et tout non. Ça. On n'a pas la. Bah, si Maxime le sait à peu près par rapport au turbo. D'accord. Parce que quand t'as pas de reprog, le turbo sur les Abarth, il va pas au-delà de temps. D'accord. Et là, il a dépassé. D'accord, ok, ouais, donc tu sais qu'il y a un stage. Ouais. Quoi. Par contre, c'est hyper léger quoi, comme voiture, ça patine pas trop. Si. Ouais, ouais. Ça tient pas. Quand il pleut, en vrai, quand il pleut pas, elle tient la route. Quand il pleut pas, ouais. Quand il pleut, elle tient pas. Ouais, c'est un peu une caisse à savon qu'on appelle ça quand même. Ouais, c'est 900 kilos ce machin. Là. 900 kilos. Ah ouais. Ah ouais, ouais, ça fait même pas une tonne. Ah putain, ouais. Ah, puis sans soi. Ouais, à peine une tonne, je pense. Hein. Puis 160 chevaux là-dessus, ouais, c'est sûr. Ça. Ah bah non, mais, oui. Mais quand il pleut pas, en vrai, ça va. Mais quand il pleut dans les ronds-points, il faut ouais. Mollo. Dans les virages, il faut y aller mollo. D'accord. Donc il y a eu un covering de fait. Oui. Par le chéri de Camille, on tient à le dire quand même, parce qu'il faut le faire. Il n'est pas là, mais on va quand même en parler, parce que. Voilà, c'est le chéri qui l'a fait et c'est pas son métier. Donc quand même, respect parce que moi, c'est ce que je disais tout à l'heure au préalable, j'ai essayé de faire une fois des rétroviseurs, au bout de deux jours, j'ai même abandonné. Quoi. C'était horrible, je m'en sortais pas. D'accord, donc à la base, elle est rouge. Et elle va redevenir rouge. Elle va redevenir ouais, rouge, tu veux la... je pense bientôt. Ouais, tu veux la remettre rouge du coup. Quand on aura le temps, ouais. D'accord, est-ce que ça va être. Ça doit être chiant aussi à décoller entièrement. Ouais, je pense peut-être. Que ça, bah, faut faire attention quoi. Bah ouais, parce que faut pas que ça laisse la colle et tout, parce que là. Ouais, faut pas que ça m'arrache ma peinture. Hein. Ah, imagine, moi bon, je pense pas. Du coup, vous avez fait un petit rappel au niveau du tableau de bord. Ouais. Ouais, ouais. Ok. Donc là, on est sur du siège de série baquet Abarth. Boîte méca, boîte 5. Ouais. Compteur digital du coup. Non. Non. C'est quoi qui est au milieu? C'est à tout ce qu'on voit, kilométrage, enfin, kilométrage et tout ça? Ouais. D'accord. C'est ça. Ok. Donc c'est une décapotable. Tu la voulais décapotable ou? Pas spécialement, mais ouais. Je suis tombée sur elle et je la voulais. D'accord. Ouais, c'est comme ça. Même si elle n'aurait pas été décapotable, ça ne t'aurait pas dérangé? Ouais, non, après, je sais pas, j'ai flashé sur cette voiture. Non, ouais, non, mais j'arrive c'est... plus à la vendre, donc d'accord. Je vais la garder. Bah, c'est joli. T'as voulu la vendre à un moment, non ou... Non. Non, non à Abarth, il faut les vendre un peu avant les 100 000 quand même. Parce que ouais. Ça décote pas mal après. D'accord. Les 100 000. Je l'ai acheté, elle avait 70 000. Et puis bah, maintenant, ça fait 2 ans que je l'ai. Et du coup, bah. C'est trop tard, mais j'arrive pas à la vendre. Je ouais. Trop. T'es accroché à elle. Bah, c'est bien. Ouais. C'est bien, remarque. C'est bien. Donc là, on fait de la pub. Hein. Ouais. L'ami ER, il est là. Je mettrai les Instagram. Tu veux que je fasse de la pub aussi pour le salon? Bah, bien sûr. Voilà. Donc, Caprice Beauté, 2 rue de la Gare, 36100, Neuilly-Payou. Donc. Ouais. Non, franchement, elle est jolie. Et t'as une ligne, une demi-ligne du coup. Et la marque? Bombarden 2.0. Voilà, Bombarden 2.0. Et ça fait un bon bruit, franchement. Ouais, non, mais parce qu'en fait, c'était frustrant parce que quand on l'avait acheté, elle avait la ligne d'origine. Ouais. Et hyper frustrant. De... Ça fait pas de bruit? Non, elle faisait pas de bruit, elle pétait pas forcément. Donc, c'est la seule chose que j'ai acheté en plus parce que. Ouais. Je sais pas. Bah, pas c'est que ça. Soit tuning, quoi. Ouais, pas trop tuning non plus. Ça, mais tu voulais l'entendre quand même. Ouais, parce que franchement, c'est frustrant quand t'as une voiture qui avance un peu et qui. Bah, c'est ce que je dis toujours, moi. J'aime, si j'ai une sportive, j'aime bien l'entendre quand même. Parce que des fois, toi, on en parlait l'autre fois avec un copain, toi, qui a la Mégane 3 RS. Il avait une ligne d'origine. Et il disait, on aurait dit un aspirateur, on n'entendait pas la voiture. Ouais, franchement, c'est hyper frustrant. Ouais, tandis que là, maintenant, on l'entend, quoi. Que c'est... Ouais, elle fait un joli petit bruit. Ouais, elle fait un joli petit bruit, ouais. On va l'entendre après. Donc, les jantes en 17, c'est les jantes de série, ça, je pense, hein.
de série après, il y en a eu plusieurs. Non, ouais, il y en a eu plein. Celles-ci, on n'a pas beaucoup qui les ont quand même. D'accord, moi, elles sont jolies, elles passent bien. Après, bien, mais par contre, elles sont. Comment on appelle ça que je réfléchisse. On réfléchit. Elles sont diamantées. D'accord. Et du coup, inconvénient parce qu'elles pètent. Genre là, par exemple, t'as un diamantage qui saute. Je crois que ça doit être ça, je sais plus. Ok. Mais ça saute un peu là. Au Karcher ou avec le temps ? Avec le temps, ouais, au Karcher. Faudrait que je les refasse de toute façon complète, mais bon. Ouais, bah ça, de toute façon, ça vieillit. C'est un vieux, quoi. Ça vieillit mal. Des fois, c'est comme ça, malheureusement. Bah, je compte pas la vendre pour le moment. Mais... Ouais, autant les refaire et puis qu'elle soit vraiment propre à ton goût. D'accord. Et tu mets pas de lame devant, rien du tout ? Non, bah j'ai déjà pété la mienne. Ah, il y a un petit accro, ouais. Ouais, je me suis pris un petit embout de portail là qui dépassait. Ah, ouais, d'accord, je vois ce que c'est. Ouais. Et du coup, ça m'a déjà tout machiné le dessous, mais. Ouais. Parce qu'elle est pas rapide. Parce qu'en fait, ça, si tu veux, ça fait partie du pare-choc. Donc si je veux changer ça. Ah, faut changer le pare-choc. Tout le pare-choc. Ah, ouais, bah ça coûte vite. Ouais, en fait, le petit bout, il va te coûter très cher, quoi. C'est ça. Ok. Bah, ouais, ça fait mal. Parce qu'elle n'est pas rabaissée, elle est sur l'amortisseur d'origine. Ouais, non, bah moi c'est ma voiture de tous les jours. Donc ouais, donc tu veux pas un truc tape-cul qui te donne mal au dos et tout, ouais, je comprends. Non. Je comprends. Après, d'origine, elles sont quand même un peu hautes. Elles sont un peu hautes d'origine, ouais, tu regarde, dis regarde, tu vois là, ça fait vraiment. Bah après, elle est en 17 aussi. Ouais, après, je mettrais pas du 18 là-dessus. Ouais, c'est vrai que ça fait un peu haut. Après, elle est garée un petit peu d'une façon, bah, le nez vers là-bas. Ouais, mais d'origine, je trouve à Barthes. Ouais, c'est un peu haut, ouais. C'est un peu haut, ouais. Après, je sais pas, à Bart, peut-être qu'ils nous le diront en commentaire. Je sais pas s'ils montent tout de suite un châssis sport un peu rabaissé, je sais pas, toi. Je sais pas, moi je pense que c'est surtout que les gens mettent directement des suspensions ou quoi pour la rabaisser un peu parce que je trouve que ça fait vraiment énorme la différence entre la hauteur de l'aile et la roue. Bah après, ouais, c'est vrai que. Ou sinon, il faudrait mettre des petits élargisseurs de voie pour que les roues prennent un peu plus de place. C'est sûr. Et les disques avant, du coup ? Perforé ventilé. Voilà, perforé ventilé. C'est déjà ça. Ouais. Le freinage, ça se passe bien ? Oui, oui, oui. Ouais, ça marche bien ? Bah oui, oui, après, quand il pleut, ça patine. Ouais, bah c'est comme tout. Hein. Ça a ses limites, comme on dit toujours. Du coup, là, les vitres teintées, pas d'origine, tu les as fait faire ? Oui, bah, c'est un copain. D'accord. C'est un copain à nous qui les a posées. Ok. Donc il a pas encore son entreprise ou tout ça donc Non. Ok. Il va créer sa petite micro-entreprise je pense. Ouais. Ok. Bah quand il aura créé l'entreprise, vous m'enverrez un message et on en parlera dans une vidéo. Ouais, parce que là c'était surtout là, il a passé une formation et ouais. C'était vraiment pour qu'il puisse s'entraîner. Bah, s'entraîner dessus, ouais. Ouais. Bah c'est bien, c'est du bon taf, hein, franchement. Bah, non, franchement, il n'y a pas de bulle, c'est propre. C'est propre, c'est du bon boulot. Parce qu'à la base, elle est pas teintée, même à l'arrière. D'accord. Ouais, ça apporte un plus. Ouais, bah, moi je trouve ça plus joli. Clairement, je trouve ça plus joli. Ok. Tu peux. Ah, le pédalier en alu à Bart. C'est joli ça quand même. Faut le montrer. Et tu peux nous ouvrir le capot s'il te plaît. Ouais. Putain, comment ça fait trop froid. Alors. Faut que je titille. Ah. Ah, nickel. Hop là. Donc voilà, on retrouve le moteur d'origine. Du coup, enfin, elle est instable, mais il n'y a pas de filtre à air spécial ou truc comme ça, quoi. Non. D'accord. Et toi, un stage 1, ça te suffit ? Ah oui. Ouais. Ah ouais. Tu veux pas faire un stage 2 et tout ? Non. Non. Ah, non, parce que leur programmation, elle est que sur le mode sport. Ouais. D'accord. Ouais, mais oui, après je l'ai toujours du coup, ouais, j'enlève jamais le mode sport. Activé, par exemple, mais c'est pas une map ça, c'est pas est-ce qu'ils auraient mis une map ou je sais pas. Je sais pas, je suis pas métier, mais normalement je sais que on nous avait déjà expliqué parce que bah, son copain il en avait une avant et qui avait été faite reprogrammée et la personne avait bien expliqué qu'en gros il avait mis le stage mais que sur le mode sport. Bouton, voilà, mode sport. Donc quand tu te mets en mode normal, elle redescend à 130 chevaux. Ouais, et puis le volant est un peu plus souple, on le sent. D'accord. Ça, c'est d'origine dedans. Ouais, ça, c'est d'origine, ouais. Quand tu appuies sur le bouton mode sport, en gros, t'as la pédale d'accélérateur qui est un peu plus sensible. Ouais. T'as le volant qui se durcit un peu. Il se durcit un peu pour la conduite, pour pas mettre de coups de volant. D'accord. Et je la laisse tout le temps en mode sport.
Ça tu l'allais sous le temps Mosport, ouais. Non. Bah puis non. Bah c'est une habitude avec 160 chevaux. Ça... Et franchement, quand tu l'enlèves, du coup, c'est bizarre. T'as l'impression, enfin, j'aime pas du tout, du coup. D'accord, ouais, t'es habitué comme ça, donc tu laisses comme ça. Carrément. Non, bah ça marche. Bon bah, écoute, je vais te proposer de fermer le capot, enlever les surplaques et puis on va l'essayer. Comme ça, on va voir le bruit. Le joli bruit. Bah après elle est chaude là. Ah, elle est chaude, ça va. Ouais, c'est quand elle est froide qu'elle fait. Ah, elle fait plus de bruit quand elle est froide. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Il y a plus de pop. T'as pas peur de monter au volant avec une fille? Non. On sait jamais. Non. Ça va aller. C'est faux. Faut pas monter avec moi dans une BM surtout. On va faire un bon bruit déjà derrière là, même qu'elle est chaude. Tac, je les laisse comme ça. Bon, nickel, bon, on se lance. Bon. Ouais, je vais les mettre dans l'intérieur, c'est gentil. Tu peux enlever ton sac s'il te plaît. Tac, je te mets ça là. Oh, par contre, c'est. Bah, c'est pas grand. C'est une abarthe, quoi. Ouais. Et tu rigoles, mais j'ai trouvé une poussette. Pas la vendre, je compte faire des gamins un jour dans ma vie. Ouais, donc tu comptes faire des enfants avec une abarthe. Avec une abarthe, bien sûr, les gens en ont avec des mini. Donc ouais, c'est vrai. Moi j'avais une Cooper S le jour où j'ai eu ma première fille et c'est vrai que j'avais un peu de mal. Après, j'ai pas regardé ton coffre, mais je sais que moi c'était chaud. Ah, moi c'est chaud. Ah, c'est chaud. Moi c'est chaud. Surtout que vu qu'elle est cab, ah ouais, ça se trouve c'est encore pire. Un tout petit, je te ah ouais. Trouver. Ouais. Mais du coup, j'ai réussi à trouver des poussettes qui rentraient dans ma voiture. Ouais, sinon, ouais, parce que j'allais dire quand ils grandissent, après tu achètes ces espèces de poussettes cannes, comme on dit, et après c'est moins joli. C'est moins joli. Je sais pas ce qu'il fait, le monsieur. Et du coup, le niveau des teintes à l'avant, les gendarmes ils disent rien. Parce que... Bah écoute, moi j'ai toujours eu de la chance, alors après est-ce que je suis une fille? Ouais, ils osent pas te dire quelque chose. Je sais pas. C'est pour les fenêtres. D'accord. Parce que je sais que maintenant ils veulent plus des fenêtres à l'avant. Un peu, bah après, c'est pas eux qui viennent, c'est les lois qui tombent. C'est plutôt ça parce que moi je vois, ça fait un peu plus de 10 ans que j'ai le permis, ça fait 11 ans. Et à l'époque, tu pouvais en être en teinté noir complet, ils disaient rien les gendarmes parce qu'il n'y avait pas de loi, il n'y a pas de réelle loi qui était passée. Donc c'est les lois, ils tombent et eux ils subissent, hein, c'est comme ça. Ouais, après, je l'ai acheté comme ça. Ouais. Enfin, moi je sais que toi. J'ai racheté une série 1, mais je vais refaire les vitres teintées à l'avant aussi. Hein. Du coup, voilà, voilà, les montures, plafonniers noirs et tout ça. Ouais. Bon, ça, c'est joli, ça. Ça, j'aime bien, toi. Quand ça y est pas dans une voiture, je le fais faire. J'ai un petit GPS, là. C'est qu'on branche là. D'accord. Mais là, t'as un GPS, un TomTom spécial Abarth. D'accord. Et quand tu la sens, la voiture, et ben, tu le payes une blinde. Ah ouais? C'est plus de 200 boules, je crois, le GPS. Maxime, il a eu deux Abarth. Parce que c'est grâce à lui que je connais Abarth. Après, ouais, je le chéri, il roulait en Abarth. Et puis ouais, du coup, ça t'a donné envie de rouler en Abarth. D'accord. Et du coup, je voulais absolument une petite Fiat 500. Ouais. Bon, c'est vrai que c'est sympa, c'est joli pour quand une Fiat. Quand j'ai eu mon permis, je me suis acheté une petite Fiat 500. Ouais. De la Bredo. Ah, tu t'es acheté une Fiat 500, mais genre Fiat 500 classique, Fiat d'accord. 500 classique, 70 chevaux. Ouais, la petite pour pouvoir partout. Ouais. C'était nul à chier. Qu'est-ce que tu as reproché? L'intérieur ou le moteur ou... Bah, déjà ça avance pas quand tu doubles, t'es comme ça parce que tu sais pas si. Ouais, tu sais pas si tu vas y arriver un jour. C'est ça. Bah, 70 chevaux. Après, le problème, t'étais jeune permis, je pense. Ah, bah oui, mais celle-ci quand je l'ai acheté aussi. Hein. Ouais, et l'assurance, ils t'ont pas trop assassiné? Là, sur celle-ci, je sais plus combien je payais. Quand je l'ai eu, j'ai dû m'assurer à une assurance. T'as pas dû prendre un courtier, tout le bordel? Non. Parce que des fois, je sais qu'il y en a, ils sont emmerdés, ils sont obligés de passer par des courtiers parce que les assureurs ils veulent pas. C'est un peu le gros bordel. Hein. Au final, pour eux, elle fait 130 chevaux. Elle fait 135 et du coup, Massif, je voulais pas m'assurer. Et du coup, bah, j'ai été à l'Olivier l'assurance, là, machin. C'est parce qu'on voit la télé, ça?
soucis, mais tu sais, t'as pas d'agence en fait. C'est une agence en ligne. Ouais, voilà, d'accord. C'est ça. Et du coup, il me prenait plus de 100 balles. Hein. 100 balles par mois 134, je crois. Ah, ça fait mal, hein. Et quelques temps après, je suis retournée à la Massif en étant plus jeune conducteur. Au bout d'un an, je crois. Et puis, non, même pas. Ouais, si, un an. Et puis, du coup, il me prenait 90 balles. Ok. Donc, là, je paye 90. C'est mieux que 130. C'est mieux que 130. Ça fait toujours un peu cher, c'est sûr. Après, je pense, plus les années vont passer, moins tu payeras cher. Parce que tu vas créer du bonus. Bonus, je crois que c'est qu'on appelle ça. Mais après, bah, tu roules quand même en abarth. Hein. Eux, ils entendent le mot abarth, pour eux, c'est sport, je pense. Bah après, ils cataloguent comme ça. Hein. Ouais, après, je vais voir pour changer, je pense. Je pense que je peux payer mon cher. Ouais, après, faut que tu fasses faire des devis. Hein. Ouais, ça coûte rien. Et puis, franchement, tu sais, des fois, si ça va à un nouveau client, ça fait combien de temps que tu as le permis maintenant, 2-3 ans? Ça fait 4 ans. 4 ans, donc voilà. T'as jamais eu d'accident ou quelque chose comme ça? Non. Non, la prochaine, je te le souhaite. J'ai pris une biche une fois. Ouais, mais ça, c'est pas de ta faute. Un sanglier. Non. Il a chié sur ma bagnole tellement il a eu peur. Ah la vache. Et t'avais tapé ça avec quoi? Ma Fiat 500. La première? Ouais. D'accord. Je vais là, moi, faire une... Ouais, c'est là, tu vois, tu le vois, s'il te plaît. Faire gaffe aux gens parce qu'il y en a, ils font pas gaffe, des fois ils rentrent fou. Et putain, mais tu l'as pris, genre tu roulais vite. Mais c'est Maxime qui conduisait sur le trajet, on était tranquille sur la route de Vatan. D'accord. Et il a nous a tapé sur le côté. D'accord. Putain, chaud. Bon, ça va si vous prenez sur le côté quoi. Parce que pleine face, ça fait du mal. Ah bah, il y avait pour 3000 euros de réparation. Oh bah ça, j'en doute pas parce que les carrossiers c'est comme ça. Enfin, les carrossiers c'est comme ça, c'est la main d'œuvre, c'est les pièces, c'est un tout quoi et ça vaut une plainte. Hein. Ah bah après j'ai revendu. Tu l'as revendu, hein, tu l'as refait faire et tu l'as revendu direct. Moi, toutes mes voitures, je les ai assumées tout risque. Ouais. Donc ouais, t'auras peut-être un petit peu de. J'ai eu 250 euros de. Comment on appelle ça? De franchise. De franchise, voilà. Bon, après 250 sur 3000, tu les poses. Hein. Ouais. Voilà, tu vas pas ronchonner, hein. Il y en a un qui est pressé. En plus, attention, il tourne. Ah, bah, les gens ils doutent partout maintenant aujourd'hui. La Golf Rouge, je sais pas où elle est passée. Elle a tourné. Sur un chaud, on est tombé sur un chaud du skeg. Ouais, il veut la mettre en travers, là, mais il veut plier le train arrière. Il est chaud. C'est ton ouais, fallait que ça tombe en vidéo. Toi. Ouais, ça aurait été bien qu'il éclate le train arrière dans la vidéo. Ça aurait été pas mal. Ouais, on s'en fout. Bon, c'est pas de coup, mais c'est vrai que et genre le son, il y a le son si tu fais de la route, ça va. Ah, t'abrutis pas, genre. Non, franchement. Ouais. C'est propre, quoi. Cette... Après, juste, je trouve quand t'es derrière, bah. Quand t'es assis derrière, quand les gens ils parlent devant, t'entends. Ouais, t'es obligé de dire, ouais, qu'est-ce que ça dit. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, tu te penches un petit peu. Et après, quand t'es devant, tu vois, genre là, ça va, on parle bien et tout. Ouais, ouais, c'est vrai qu'on s'entend, il n'y a pas besoin de crier. Parce qu'en plus, ça n'a pas de toit, quoi. C'est un. Ah. Espèce de bah, capote dure, quoi. Ouais, mais capote bien, hein. Ouais, franchement. Jusqu'au bout là-bas. Ouais. Non, c'est joli. Hein. Je m'arrête là. Tu vois l'espèce de compteur avec le parking où il y a la benne. Tu m'arrêtes là, comme ça je remettrai la plaque à l'arrière. Après tu feras un passage ou deux pour qu'on fasse entendre le bruit en extérieur, comme ça tu entendras le bruit de l'extérieur de ta voiture. Et bon, non, garde-toi là, je sais pas. Et voilà, je vais remettre ta petite surplaque à l'arrière. Mais c'est vrai que l'intérieur, je trouve ça sympa. Après, c'est joli. Bah ouais, après, c'est une fête. Les nouvelles, les récentes sont mieux. Ah ouais? Forcément. Bah, je t'avoue que tu me fais un peu le baptême de l'appart parce que je suis jamais monté dans une appart.
c'est un petit peu le baptême. Après, les nouvelles, elles sont bien, quoi. Déjà, les feux, ils sont trop stylés. Quoi. Ouais, ils sont derrière, ils sont bien. Le pare-choc avant, il est bien aussi. Mais ouais, ils ont revu un petit peu le design. Comme toutes les voitures, après ils essaient. Après des fois ils essaient de revoir le design, c'est pas forcément joli. Des fois ils font des trucs mieux, des fois ils font des trucs moins bien, mais c'est vrai qu'elle chante bien déjà. Hein, bah ouais. T'es contente du bruit? Ouais. Ouais. Ouais, ouais. Je suis contente, ça me va, c'est le principal. Non mais t'as raison. Ok. Bon bah Camille, si tu peux me faire un petit passage ou deux. Fais attention, hein. Roule pas forcément vite. Attention. Non mais on n'est pas là pour. On n'est pas là pour abîmer. Ouais, on n'est pas là pour abîmer la voiture donc. Ah, elle fait un bon bruit. Franchement, elle fait un bon bruit. Il fait au moins moins 6000. Un truc de ouf comme ça, Kai. Vivement cet été. C'est bête là qu'on ne filme pas la barre à Camille l'été, parce qu'on l'aurait décapoté, hein, clairement. On aurait été bien. Mais là, ça fait trop froid, la vérité. Je crois qu'il y a une sécu, ouais. Ouais, il faut. Ah, ça fait un bon bruit, hein. Il y a des bons pop en plus, hein. Ouais. Faut savoir un peu comment la poupée. Ouais, tu la connais à force. Un peu, ouais. Bah, Maxime la connaît très bien. D'accord. Ouais, même perso, il sait bien la conduire aussi. D'accord. Par contre, je viens de me rendre compte, j'ai oublié le chrono. T'as pas un iPhone, quelque chose? Putain. On a oublié le chrono, la team. Ça m'est arrivé. Ça fait la deuxième fois que ça m'arrive. Pour nous, il est dans un billet. C'est où ça? Je crois que c'est en. Tac. Ouais. Je suis iPhone depuis le premier. Depuis le premier iPhone. Je te raconte pas les gueules qu'il avait. Par contre, au démarrage, moi, je serais peut-être pas capable de caler. Non, mais on va faire quelque chose de bien. Par contre, je vais te demander de faire demi-tour au rond-point, puis on repartira dans ce sens-là. Ça va y aller, Camille. On est arrivé. Puis dès que tu seras à 100, bon, de toute façon, je vais t'expliquer. La Golf Alt est partie mettre de l'essence. Tu sais que les runs ici, on les faisait avant vous. Ouais, ce qui est pas vrai, ouais. On avait fait. J'ai entendu parler qu'il y en a ici qui ont fait des runs. Ouais. Putain, bah tu vois. Ligne, on avait acheté une bombe, ils avaient fait une ligne. Ouais, une ligne de départ et tout. Ils avaient mis finish. Non, c'était juste devant la. Ah, une ligne de ouais. D'accord, fini. Et ils s'amusaient bah, quand Persou il avait sa Cooper S. D'accord. Ah, c'est proche, je savais même pas, toi. Je m'arrête là. Ouais, là, ça va être pas mal là pour faire 0 à 100. Et toi, je savais pas, et c'est vrai que quand, sur les Soudains, je cherchais une zone plutôt retirée. Mais c'est vrai que c'est tranquille ici, tu sais qu'il n'y a pas de gamins qui vont venir en vélo. Les flics sont déjà venus ici nous voir et ils nous ont dit bon, on préfère que vous fassiez ça là plutôt que. Bah, qu'en centre-ville ou sur la rocade, tu vois ce que je veux dire. Donc franchement, ils nous ont rien dit. Ton mode passe, s'il te plaît. Et ouais, c'est vrai que toi, je préfère faire ça ici aussi que. Voilà. Donc, je vais te dire 3, 2, 1, 0, à 0, on part. Et quand toi, tu me dis top, et ben on est à 100. Ça va le faire? Tu vas y arriver. Non, j'ai peur de pas bien réussir mon départ là. Mais c'est pas grave, t'inquiète, y a rien à gagner. Donc 3, 2, 1, vas-y. secondes 5. C'est non, propre. Non, mais ça va pas, faut faire là. Ah, c'est propre. Non, ça va pas. Vas-y, dis-moi, on en refait un dans l'autre sens. Mais bien sûr qu'on en refait un. Attends, ça va pas là, du tout. 7 secondes 5, on enregistre le premier. Et ben ouais, bah la patinée, bah c'est normal. C'est normal, ça va. C'est normal, mais pas plus que ça. C'est la première fois que je fais ça de ma vie, alors ne me jugez pas s'il vous plaît.
Non, ne jugez pas. C'est la première fille de la team. Voilà, donc, jugez pas. Fille, esthéticienne, voiture rose. Voilà. Et décapotable. Et décapotable. C'est ce que, et tout à l'heure, je disais, là, je dis putain, il aurait fait beau. On aurait été l'été, on l'aurait décapoté tout de suite. Alors attends. Là, t'es prête là? Je me chauffe. Vas-y. C'est bon, tu me dis quand c'est bon? C'est bon. C'est bon. Donc 3, 2, 1, top. Ah, ça pâtit. Ah, ça fait. T'as patiné encore plus, 8 secondes 69. Oh, on va laisser le premier, il était bien en fait. Hein. 7 secondes 05, ouais, ça patine à mort. Bah, le sol est gras, hein. On est dans une température quasiment. Je sais pas, t'as 3 degrés? Ouais, 3 degrés, je crois. Ouais, donc. Mais ça marche bien, hein. Franchement, ça marche bien. Hein. Bah, c'est un karting quoi, la voiture, tu t'amuses avec. Je pense que c'est pour ça que tu t'en lasses pas. Non, moi j'adore. Non, franchement, ouais, tu t'amuses. Ça va pas, c'est vrai. Ah ouais. Mais bon. Bon, on partagera les Instagram. Tu veux l'essayer? Hein? Tu veux l'essayer? Non, c'est gentil, merci. Non, c'est gentil. Je préfère pas essayer les voitures, tu vois, parce que c'est gentil ce que tu me proposes. T'es la première personne qui me propose ça. Ah ouais? Et en même temps, t'as pas goûté le goût de la marque. Ouais, je sais, mais tu vois, mais je préfère laisser les voitures aux gens, enfin, aux personnes, tu vois. Mais c'est très gentil en tout cas. C'est très gentil. Et je partagerai les Instagram. Si tu veux même, tu m'enverras une photo de ton truc esthétique. Comme ça, je partagerai tout dans YouTube et tout ça. On partage un max et on peut donner de la force, comme on dit. Et puis voilà. Donc, on te remercie, Camille. À bientôt. À bientôt. Ciao.